Allez-vous agir? Et si oui, comment? Alors nous agissons et nous agissons tous les jours. Les gendarmes sont au front à Saint-Louis depuis le début de ces événements, à la fin du mois d'octobre. Plus de 60 interventions de la gendarmerie sont intervenues. Nous avons à chaque fois une quarantaine de gendarmes qui interviennent. 33 personnes sont mises en cause. 11 sont incarcérées. 10 sont placées sous contrôle judiciaire. 12 sont en attente de mise en examen pour les faits les plus graves. Donc tout ceci, c'est la réplique de l'État aux faits qui se produisent. Mais pour autant, monsieur le haut-commissaire, ça continue. Alors pour autant, ça continue. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai eu deux réunions. Celle que vous mentionniez, la rencontre qui s'est bien passée avec les représentants de l'Association des citoyens mondoriens, mais également en début de matinée, une rencontre avec les responsables coutumiers Alors du justement, Châtiment la de presse n'a Saint-Louis, pas pu en le savoir grand chef. beaucoup. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est Parce que passé? nous travaillons dans la discrétion, mais grâce à ceux qui étaient là, grâce au maire Éric Guay, grâce au père Apikawa qui nous a aidés aussi et qui exerce une influence bénéfique, nous avons essayé de placer en responsabilité ceux qui peuvent nous aider à Est-ce que interpeller vous les avez senti derniers qui qu'il y a une sont à volonté de interpeller. faire avancer les choses ou pas? C'est ce que j'ai ressenti, c'est ce qu'ont ressenti ceux qui ont participé à cette réunion. Nous ne sommes pas au bout du chemin, mais je pense que c'est une des voies. Elle s'ajoute à celles que je mentionnais plus tôt, qui sont les enquêtes conduites par la gendarmerie et les interventions de la gendarmerie. Mais bien évidemment, si nous réussissons à faire se présenter aux gendarmes et se rendre aux gendarmes les derniers auteurs des faits les plus graves, ceux de début de cette semaine, ceux de la nuit de dimanche à lundi, nous avons l'espoir de pouvoir répondre aux attentes qui ont été exprimées par la population, c'est-à-dire de pouvoir rétablir la liberté de circulation tout au long de C'est ce qu'on a entendu dans le la journée. reportage. Vous le confirmez donc, elle sera réouverte, la RP1? Je vais regarder. Ce que j'ai annoncé, c'est que la RP1 resterait. Les événements ont toujours commencé le week-end et la nuit. Donc je maintiendrai l'interdiction de circuler pendant les nuits de ce week-end. Lundi matin, nous regarderons comment les choses se sont passées. Si comme ça a été le cas toute cette semaine, il n'y a pas eu Donc vous nous de confirmez nouvel incident, que lundi, on elle considérera les pourrait choses. être Elle pourrait être réouverte au vu de ce qui sera l'ultimatum de passé. la dernière discussion dont on avait parlé en début de semaine. Il est arrivé à ça. Il expire là, les conclusions de cet ultimatum. L'ultimatum, c'est la demande de prise de responsabilité, vous l'employez tout à l'heure, de prise de responsabilité par ceux qui peuvent avoir de l'influence sur ceux qui ont commis ces méfaits. Je l'ai réitéré ce matin et comme je vous l'indiquais, j'ai espoir d'avoir été entendu. On va regarder un autre sujet, si vous le voulez bien, sur l'autre problème que subissent les personnes résidant aux abords de Saint-Louis avec les professionnels de santé du Mont-d'Or. Après le SAMU et le SMUR, le personnel du syndicat des infirmiers libéraux de la commune, refuse aussi de traverser la tribu par peur de représailles. C'est un reportage de Robert Tamenoji et de Michel Bouillet. Ensuite, on en reparle. Il y a pas mal d'infirmiers qui habitent de l'autre côté, vers côté Nouméa, on va dire, pour faire des remplacements à la coulée. Donc il y a pas mal d'infirmières qui ne veulent plus remplacer des cabinets parce qu'ils ne peuvent pas traverser, et ils ont peur en plus, de traverser Saint-Louis pour faire le remplacement. Le syndicat des infirmiers à domicile du Mont-d'Or comprend 88 membres sur 175 en Nouvelle-Calédonie. Il compte 22 cabinets en amont de Saint-Louis et 8 en aval de la tribu. Plus de 9000 personnes sont en langue maladie dans la commune, selon un rapport de la CAFAT de 2015 publié par la Direction des affaires sanitaires. Thibault exerce son métier depuis environ un mois. Il doit se rendre deux fois par semaine chez cette personne âgée. Je suis kiné à domicile, j'utilise ma voiture pour aller chez les patients. Du coup, bah, je ne peux pas passer, quoi. Et puis utiliser la navette maritime... Derrière, ça ne me sert à rien parce que j'ai pas de voiture quoi, sur place. Jean-Claude est atteint de la maladie de Parkinson. Il supporte encore cette situation, mais souhaite que les blocages à répétition de Saint-Louis cessent. Ah oui, ça serait mieux, comme ça, on serait tranquille. Moi, on pourrait se déplacer d'un côté ou de l'autre. Parce que là, je ne peux pas aller voir mes enfants. Puis mes enfants ne peuvent pas venir me voir. En l'absence de ses enfants et du personnel soignant, c'est sa femme qui s'occupe de lui.
Dernier coup, il était tombé. Heureusement, l'ambulance est arrivée, elle a pu passer, elle est venue le chercher. Mais le dernier coup, il avait fait un malaise. Heureusement, il y avait aussi les pompiers qui étaient là. Mais on se dit toujours, est-ce qu'il n'y a pas de chose plus grave qui pourrait arriver et puis ne plus pouvoir passer, quoi, hein. Le syndicat des infirmiers à domicile pense que la fermeture de la circulation à Saint-Louis rendra sa mission difficile. Beaucoup de malades, notamment les diabétiques, risquent de se rendre au travail sans recevoir leurs soins. Commissaire, on a entendu la colère au début du journal. Là, on voit le désarroi. Est-ce que certaines tactiques politiciennes ne vous obstruent pas, ne vous empêchent pas de faire régner l'ordre dans certaines parties du territoire de la République ? Je pense qu'effectivement, ceux qui s'expriment sur les blogs ou dans certaines assertions qui tendent à accroître les tensions, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, les faits sont partagés, n'aident pas à résoudre la question de Saint-Louis. Et c'est pour ça que l'appel à la responsabilité de ceux qui prennent une parole publique en tant que responsable politique, l'appel à la responsabilité des citoyens qui, quelquefois, signent des propos qui sont inacceptables et intolérables, et quelque chose d'important. Mais je veux dire, sur la question de la santé, qui était l'objet de votre reportage, que les tirs subis par des gendarmes dans la nuit de dimanche à lundi, c'était alors qu'ils procédaient en appui à un ambulancier, une évacuation sanitaire de quelqu'un qui nécessitait une hospitalisation. Je veux dire que nous avons pris des dispositions avec le concours de l'autorité militaire pour que les médecins militaires qui sont à Ploum puissent intervenir en cas d'urgence sur demande du SAMU, qui connaît ce dispositif. Et je me suis entretenu cet après-midi avec le président de la province sud qui organise une permanence médicale et paramédicale. Mais va-t-on déloger ces fauteurs de troubles qui veulent tuer du gendarme ? Ceux qui ont commis des faits de cette gravité ont vocation à être interpellés, traduits devant l'autorité judiciaire et, comme ça a été le cas pour d'autres, mis hors d'état de nuire par décision de justice. C'est bien ce que nous poursuivons actuellement. Donc vous nous confirmez qu'il y a certaines postures politiciennes qui vous empêchent de faire des choses ces jours-ci. Il y a eu beaucoup de postures politiciennes qui contribuent, me semble-t-il, à ramener de la sagesse et ramener de la raison. J'ai lu le communiqué publié par Daniel Goa au nom de l'Union calédonienne, qui est particulièrement influente à Saint-Louis. J'ai lu le communiqué du FLNKS, j'ai lu le communiqué du Rassemblement. Donc tout le monde n'est pas dans la posture. Pour les Blue Bottes, eh bien, on vous réinvitera parce que je pense que c'est aussi un sujet d'actualité qui préoccupe et qui intéresse les Calédoniens. Volontiers. Merci, monsieur le commissaire, pour avoir accès.